Du haut de ses 9 ans et demi, Titouan peut être fier de lui. Élève en CM2 à l'école du Sceau du Loup, à Rousson, le jeune garçon a été invité vendredi 29 septembre à la salle des États de la mairie d'Alès. Ce moment d'échange fut l'occasion de dévoiler l'affiche de la journée dédiée aux droits de l'enfant le 20 novembre prochain. Affiche réalisée à partir du dessin de Titouan, sélectionné parmi une centaine de propositions des écoles d'Alès Agglomération. Le maître, il nous avait dit quel droit de l'enfant fallait faire. Moi, j'ai choisi le droit d'avoir une nationalité. Ma maman, elle m'a donné l'idée de faire une planète comme ça. Moi, j'ai eu l'idée de faire les drapeaux. Mon frère, il m'a un peu aidé à colorier. De plus, à l'initiative de l'association Culture et Ambition, un débat était organisé avec un invité de marque, le joueur et entraîneur de football Sabri Lamouchi. Les élèves du parcours Excellence du collège Jean Moulin d'Alès et les jeunes de l'association Raya ont pu rencontrer et échanger avec le joueur sur des thèmes actuels tels que les valeurs du sport, par exemple. Après avoir brossé son parcours professionnel et notamment ses débuts à l'OAC, l'équipe de foot alésienne, Sabri Lamouchi s'est volontiers prêté au jeu des questions-réponses avec ses interlocuteurs du jour. Vous comptez faire entraîneur là dans le futur ou... Mettre en avant vos collectifs, parce que la vraie problématique, vous avez raison de souligner aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer l'humain, de gérer l'ego. La dernière fois que j'étais revenu ici, c'était il y a plusieurs années, donc le fait de revenir, de voir un peu la transformation de la ville, de voir des têtes qui vous rappellent des souvenirs, c'est... Et puis pour moi, je n'y ai que des bons souvenirs.